Bonjour, bonjour, bonjour les gens, comment allez-vous? En ce vendredi après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va super, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Pika et Niajdan ce matin. Nous, on va se faire un peu de PO. Alors attendez, on finit 2-3 trucs, tranquillou. Je vous laisse dire bonjour, je vous dis bonjour juste après dans le chat. On finit 2-3 trucs parce que bah, bien sûr, on est à la bourre, on s'est préparé à l'arrache au dernier moment. Et du coup, c'est la merde. C'est la merde. On va faire du PO tranquillou pendant 2 petites heures. Ensuite, vous aurez Oro sur la Nvidia GeForce FR, suivi de Pika Pwner. Et je ne suis pas sûr à 100%. Je crois que ce soir il y a Alex. Je suis pas sûr. Il confirmera ça. Je me démute sur le cœur, ce cas où, s'il veut le passer. On faisait quoi? Ah oui, on ouvrait Chatty, évidemment. Pour Théo Shinrosan, s'il passe. Et qui fait des blagues nulles. Bien sûr, hop. Alors j'ai mis une nouvelle playlist aujourd'hui. On verra si ça se fait strike ou pas. Je sais pas. Il y a des musiques assez sympas. J'espère que ça vous plaira. Alors, tac tac, on a lancé. Ça c'est bon, ça c'est bon. Le chat, il est où? Tac tac. Du coup, on dit bonjour au White Tokuro, à Shinrosan. Ouais, il est là pour ses blagues, hein. À Pato Grasso, à Likapik, à Dark Ben, l'explication à Yena, coucou Yena, comment tu vas? Félicitations, du coup, je te le dis moi aussi sur mon stream, pour ton boulot, pour ton CDI. On dit bonjour à Uber Coripio, à Rosen, qui on a d'autre? Oh, ton pseudo il est bleu, j'ai du mal à le voir. À Curio-Yukides. J'espère que je l'ai bien prononcé. Nike CBB, Chaché, Rafleter, Mika, Denom. Bonjour à vous. Installez-vous. Bonjour Ewok. Bonjour Crème Chantilly. Installez-vous tranquillou. Nous on est parti. On va mettre le son du jeu. La scène. Est-ce que la scène est bonne? La scène est bonne. Il fait un peu gros le gobelet à bits, non? Attendez. On va la réduire un poil. Là ça sera mieux. Et du coup. Hop! Non, on est bon. Du coup, on a avancé un peu depuis hier. Neige nous a refait un peu le stuff avec des nouveaux sorts. Je vais montrer ça. Vous savez que moi je connais pas très bien le jeu. Comment avance le leveling? Oh, ça avance tranquillou. On est level 66. 66, on est acte 9. C'est les maps 62, 63. Ça va pour le moment. Vous savez, moi je connais pas très bien le jeu, c'est Niajdan Pika qui m'aide énormément. Donc voilà. Ça tombe bien, je connais très peu de jeux. Bah nice, nice, nice. Mais moi j'avance tranquillou. En gros, Niaj avait fait une liste de builds. Je sais pas si je peux vous retrouver les trucs. Je dois les avoir par là. Attendez, parce que j'en ai partout sur mes écrans. Oh! Bienvenue Shinrosan dans la Staton Family, un gros merci à toi pour le sub, ça fait extrêmement plaisir. Tu as bien sûr maintenant de magnifiques émotes faites par Musarène. On a. Je sais plus où j'ai les liens. C'est un merdier. J'ai trois écrans, mais il y en a partout. Partout, 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 partout. Alors attendez, hop, le lien des starters. Hop, on les a là. J'ai pas encore fait de commande Moonbot parce qu'on n'a pas trop joué. J'ai le droit à des blagues du coup. Bah, t'as le droit, après c'est. T'es risqué de péril. Hein. Hop! Voilà, donc ça c'est le là où il y a les builds de starter, donc qui sont assez sympas. Là vous choisissez. Pourquoi il s'est fait Théo? What? Je sais pas. Normalement j'allais débloquer. Bon c'est pas grave. Mais donc vous avez des builds, vous avez aussi les playlists de Pika. Vous cherchez Pika Pwner sur YouTube. Il vous explique le jeu. Bah, en partie, il vous explique un peu tout. Qui sont assez sympas, super jolis. Enfin, super jolis, super bien faites. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Oh, un joueur free to play. Comment ça? Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. On va le bazarder par là-bas. Une trad FR du jeu. Non, il n'y a pas de trad FR. Que je sache. Bon, sinon.
Donc on a récupéré des petits objets légendaires. Je sais pas à quoi ça sert. Je les ai pas mis dans le guild stash parce que niais, j'arrête pas de râler en ce moment. Donc on évite de mettre des trucs dedans. À cause de ton coffre, je pense. Deux. T'as pas de tabs. Vous savez, je connais pas le jeu. Faut me parler comme à un noob. Le côté free to play. Ah! Ah oui! Oui, j'ai rien payé sur le jeu. Oui. J'ai rien payé. Vous savez, moi je suis vraiment un petit gars qui essaie de se débrouiller dessus. Mais du coup, on en était où? Ouais, on va aller faire ça. C'est le seul truc que je sais sur le jeu. Ah, tu sais, moi j'en sais pas beaucoup, hein. J'ai vraiment Pika et Niejdu qui m'aident énormément. Niejdu, il passe beaucoup de temps avec moi pour essayer de m'améliorer mon stuff, tout ça, il dépense des thunes pour moi. Et ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'il nous a dit? Niejdu nous a dit ça en les proc. Ça, c'est le Warlord Mark et le Hathraid. Ça, faut les proc dès le début. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est ça qui va faire les dégâts. Donc on stack nos lames, c'est ça qui va faire du dégât après. Vous voyez, les mobs, je les tape même pas, c'est juste en m'approchant. Et quand on tombe sur un pack de mobs, on met ça aussi pour stacker ici les power charges. Mais il nous a mis aussi un petit dash comme ça. Peut-être baisser un poil le son du jeu. Salut à toi Darkmine. Comme ça en fait. On met notre Blade Vortex, on dash dedans, ça fait du dégât, on est content. Nous on prend quasiment pas de dégâts parce que quand on dash dedans, ça nous met Fortify. Donc c'est top. Oh, un Blade Vortex, yep. Oh, si vous voulez voir du beau jeu, par contre, c'est pas là. Nous, on essaie d'avancer tranquillou. On connaît pas encore bien le jeu. Donc on fait ce qu'on peut. Je vais peut-être décaler un peu la map comme ça. Attendez, je vais le mettre là. Comme ça va pas trop vous gêner à vous. Voilà. Assez complexe, mais pas très dur. Yep, moi c'est sympa, moi j'aime bien. Tu fais un peu les chansons de Yannick, tu lèves les bras, hop, et voilà, et tu cours partout. Ça me va bien, trop évolué, je suis paumé. Mais le jeu est super kiffant. J'avais joué un peu à Diablo moi à l'époque, vous savez. Et PO, je l'avais fait aussi la dernière fois, mais beaucoup moins. Le jeu, ben c'était avant les mises à jour, tout ça. Du coup, j'avais pas trop suivi ce qui s'était passé sur le jeu. Donc là, il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Et c'est assez sympa. Avec Niajan et Pika qui s'y connaissent super bien, qui partagent leur expérience, c'est cool quoi. Est-ce que la chance du débutant est avec toi niveau loot? Bon, vous savez, moi j'ai que ce soit débutant ou pas, j'ai jamais de chance, hein. Donc j'ai envie de te dire non. Niveau loot, j'ai pas grand chose. Mais de toute façon, même quand je loot des trucs, je sais pas spécialement ce que j'ai. Donc je les mets de côté. Je veux jouer aussi. Bonjour. Coucou Flo BP. Comment ça va Flo BP? Flo BP, il s'est mis au jeu aussi. Et il se couche tard le soir à cause de ça. L'option c'est Show Corner Map 2. Il y a une option pour voir la map sur le côté? Si c'est ça. Si tu veux, tu peux avoir la map en plus petit. Ouais, je vais faire ça. Attends. Ça doit être dans UI. Attends, juste stack D. Voilà. À partir du moment où je reste appuyé sur mon bouton. Voilà. Show corner map. Ah ouais, nice. Et on peut dézoomer? On peut dézoomer dessus? Non? Non. Une option pour voir la barre de vie des mobs aussi. Ça peut être pratique. Bon, la barre de vie en soi, peut-être vous la voulez?
Si vous le voulez, moi je vous le mets, hein. Y a pas de souci, hein. C'est quoi? Show, nani, nani, nana. Global chat, trade. C'est ça? Ça doit être ça. Voilà, ça. Bon, c'est pour vous, hein. Vous me dites, hein. Par contre, du coup, faut que je m'habitue à regarder la map. Hein. La map là-haut. Ouais, c'est là. Ça couche les tard, se lever tôt. Ce jeu est fourbe. C'est ça. Et ce qui est bien avec ce build, c'est que je peux presque bah, vous lire tranquillement. Parce que... Bah du coup c'est pas moi qui dois taper les mobs, moi j'ai juste à me balader. Donc je clique en faisant des cercles avec la souris. Tant que j'ai mes blades, je suis pas embêté. Et encore là je stack pas trop. J'ai le petit stack à 4, 5. Dites-moi si vous voulez que je monte un peu le son de la musique ou le son du jeu. Y a pas de souci. Parce que moi j'entends pas trop la musique. Je sais pas si vous c'est bon. Si je peux monter un peu la musique d'un poil, ce serait parfait. Je peux. Attends, je vais faire ça. Je finis juste les packs là. Hop, on va mettre la petite orbe. Voilà. La musique, c'est ici. Là ça doit être bon. Hop. Attendez, ça s'est coupé. Non? Il y a du son. Ah non, il y a encore du son. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la musique du jeu aussi. On peut peut-être couper la musique du jeu. Sound. Voilà. Les mecs, je parle pas anglais, mais je peux jouer à ce jeu, c'est pas la peine. Non, tu peux. Ron, moi je parle pas anglais, hein. En anglais, je suis une bille. Le seul terme que j'ai en anglais, c'est des termes mécaniques. Hein. Pour le boulot, donc ça a rien à voir avec ce jeu-là. Et pourtant, j'arrive à me débrouiller un petit peu, et c'est pas des mots compliqués en soi. T'arrives à comprendre. J'avais quoi faire ici, du coup? On essaie de pex quand même au max. Il y a eu une session hier, c'était après le live. Une session où j'arrêtais pas de mourir. Et c'était un peu chiant, je vous avoue. Et du coup j'ai fait Niège, tu peux m'aider? Et il est venu, on a modifié les trucs à mon build. Et ça allait beaucoup mieux après.
T'avais pas besoin de comprendre l'histoire pour avancer. Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours mieux de comprendre l'histoire, d'apprendre tout ça, mais... Je le DL, merci. Y'a pas de soucis. Je t'en prie. Gros Labinou, comment vas-tu? Oh, les scrolls, j'en ramasse plus trop. J'en ai quand même pas mal. Étant donné que je loot pas, je m'en sers pas beaucoup. L'histoire et le lore sont vraiment cool par contre. Ouais. Mais faudrait voir. Je sais pas si tu peux. Si ça, tu peux les trouver par contre en trad ou quoi. Il y a moyen après, je pense. Sur le net, tu dois trouver le lore et tu dois pouvoir le traduire sans souci. Bon, l'histoire, apprenez l'anglais à l'école, ça peut aider pour jouer à des bons jeux. Exactement. Exactement. Mais le stuff là, il est. Voyez, au niveau du shield, j'ai pas souvent du shield. Je perds assez vite mon shield. Mais la vie en vrai, ça va tranquille. Ça va, et toi, malgré ce temps automnal? Je t'avoue que je suis sorti, j'ai pas vu le temps qu'il faisait, moi. Je crois qu'il fait beau. Je m'en rappelle même plus. Mais moi, ça va. Ça va très bien. On s'est pas couché tard hier, j'ai pas trop farmé. Je suis parti me coucher à quoi? J'ai quitté les gars vers 3h, je crois. Je suis couché vers 4h30 ou 5h. Le petit réveil à 10h. On a rejoint Pika après vers. Je sais plus quelle heure était, vers 11h. Il a voyagé accessoirement. Ouais, pour les voyages, c'est pas mal aussi. Mais même pour le taf. Hein. Moi, je vois pour le taf, l'anglais, ça me manque un peu quoi. Quand t'as des clients étrangers, c'est l'anglais généralement que tu parles quoi. Salut à toi, Jérôme. Ah, je vois, j'ai déjà eu des clients géorgiens, on parlait anglais, italien, on parlait anglais aussi. C'est la langue internationale, quoi. Ah ça c'est comme j'aime bien, vous allez voir. En fait, ce que je fais c'est que je stack au max. Je me stack les lames à 20. C'est le max qu'on peut. Je mets une petite boule, je continue de stack. Et là j'ouvre le coffre. Voilà, je prends 0 dégâts. C'est vraiment pas mal. Ça peut aider en France aussi quand tu vas dans un bar avec des personnes étrangères. Oui, exactement. Exactement. Ça aide tout le temps en fait, hein. Dans tout et partout, tu parles. L'anglais t'aidera partout. J'étais un cancre à l'école. Bah, t'es pas le seul, hein. Moi, j'ai arrêté très tôt l'école. Hein. Parce que bah, ça me plaisait pas forcément, puis parce que j'ai pas eu trop le choix non plus. Fallait travailler. Ça, on va la zapper. Ça me saoule déjà.
Y en a une que j'ai entendue hier sur cette playlist. J'arrive pas à me la rechoper. C'est quoi ça? Ça sert de prendre ça? Non, ça sert à rien. Sinon, je te découvre, tu streams souvent. J'essaie de streamer tous les jours. Bon, y a des jours où je stream pas. J'essaie de streamer tous les jours de 14h à 16h. C'est un peu le planning qu'on se fait avec les potes. Comme ça, vous avez de la team click toute la journée, du matin au soir, sur différentes chaînes, bien sûr. Mais ouais, on essaye de pas stream en même temps. Comme ça, vous n'avez pas à choisir un stream ou l'autre. Et ça, c'est cool. Prends la flasque en stock, là quand même. C'est à moi que ça parle? J'en sais rien. Je verrai tout ça après. Après, l'école fait pas tout. Ah non, c'est sûr. Bon, ça va être quand même beaucoup. Hein. Ça va être quand même beaucoup. Mais après, j'ai appris plus de choses, moi. Dans le boulot qu'à l'école. Hein. Pas de concurrence avec Oro comme ça. Bah, pas de concurrence avec tout le monde. Pas de concurrence avec Pika le matin. Pas de concurrence avec Nejdan. Enfin, c'est même pas qu'on se fait de la concurrence. C'est juste qu'on souhaite pas stream ensemble, quoi. Attendez, ça je vais me le remettre au centre. Voilà. L'école de la vie, voyager pour moi est la meilleure école. Oui, c'est pas mal aussi. Faut qu'on fasse la quête là. En même temps, ça fait un flux continu sur la journée, ce qui est plutôt pratique quand il y a une série comme Arc par exemple. Exactement. Exactement. Idem pour moi, j'apprends plus maintenant qu'avec tous mes cours, donc l'expérience c'est la vie. Bah oui. Mais après, il y a des choses que tu peux apprendre entre guillemets qu'à l'école, qui t'aident pour plus tard. Enfin, non, c'est pas que tu peux les apprendre qu'à l'école. C'est que ça t'aide si tu les apprends à l'école. Ça te permet d'aller plus vite. Mais après, tu peux les apprendre sur le tas aussi. L'école des voyages, c'est du bullshit. Je voyais depuis que j'ai 6 ans, ça m'a pas appris grand chose. À part que partout dans le monde, les gens sont aussi cons les uns que les autres. Bah, des cons, de toute façon, il y en a partout. Hein. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Hein. Où sont ces trucs là? Arc, ça me manque. Je vous ai dit que j'allais en faire un soir et en fait, j'ai pas eu le temps. Du coup, je me suis affarmé sur PoE. Du coup, j'ai pas fait de Arc. Mais on verra. De toute façon, on avait prévu avec les gars d'en refaire sur la dernière partie d'année. Donc, on verra quand ça va se faire. Mais ça me tarde. Ça me manque un peu Arc. Je vous avoue. C'est quand même un jeu que j'ai un peu décrassé, comme on dit. Donc ouais, c'est vrai que ça me manque un peu. C'est Arnold et Willy qui disaient...
faut tout pour faire un monde. Bah, non, mais c'est la vérité, de toute façon, c'est la vie comme ça. Hein. Faut tout pour faire un monde. Si t'avais pas de con, on se ferait chier, quoi. On serait triste. Triste, peut-être pas, mais. Alors, je sais, c'est le bordel dans mes coffres, il y en a rangé, il y en a partout. Mana, pourquoi j'ai pris des trucs de mana, j'en ai pas besoin. Life 2004. Mana, on s'en moque. Hop, on range en vitesse. Hop. Là, dans l'arbre, on a pris un chemin un peu bizarre. Parce que là, normalement, on doit continuer. On doit prendre ça pour les potions, les effets des flasques. On doit prendre quoi d'autre? Attendez. Il est où mon truc? Il est là. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a ça pour l'effet des flasques. Après, on va chercher de la vie ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le chemin ici qui va nous chercher du spell critical, ça c'est pas mal. Ah, il y a celui-là que j'ai pas pris. Qui augmente la vie et le shield. Mais là pour le moment on est en train d'aller chercher ceci, ici, comme ça on a fini le bas. On prend ça. Et toujours le con d'un autre, exactement. Tristitude du Scooby, son lui dit non. Hein. Ça reviendra, ça reviendra. Ça je peux les poser aussi. Hop. Oh. Oh, je suis le mec. Je garde tout. Je sais pas trop que c'est bien ou pas, donc je garde tout, je mets de côté. Après, je me fais engueuler par Niège Doux. Ouais, y avait pas besoin de ça, la ni la ni, la ni la na. Mais c'est pas grave. On sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Faut aller là. Ça fait peur quand même. Je zappe la musique, hein. N'inquiétez pas, c'est normal. Il y en a qui vont être très violentes au niveau du son. Je les apprécie. Je pense pas que tout le monde appréciera donc. J'essaie de faire toutes les quêtes, même les optionnelles. Parce que ça fait du pex. Ça fait du pex et du coup c'est pas mal. C'est vraiment ce qu'on cherche pour le moment. En tout cas j'aime bien le fait. Après c'est peut-être parce que le level je suis un peu au-dessus. J'aime bien le fait de pouvoir vous lire pendant que je farm. C'est pas trop dérangeant. T'as un gros niveau sur le jeu où tu débutes. Je débute moi. Je débute mais j'ai des. J'ai des bons profs qui m'aident à me build pour Pex là donc. Donc ça va en soi. Je débute mais avec de bons items quoi. Mais si c'est pour savoir si c'est moi qui vais pouvoir répondre à tes questions. Non, je suis désolé. Non, du tout, je connais pas le jeu. D'accord. Allez, meurs. Merci.
Mais là, avec la charge qui est une affilée, Niajdan, ça permet de se déplacer plus vite sur les maps aussi. Donc ça, c'est assez cool. Parce qu'au niveau du mana, on n'a pas de soucis. Pourquoi ton mana ne monte pas en dessus de 120? C'est parce que j'ai les... j'ai les marques, j'ai le Warlord marque et le... Attendez, je suis même pas... Rad. Là, je les enlève. C'est mes, c'est des buffs, en fait. Et quand je les mets, en fait, ça me capte mon mana. Ça me prend une réserve de mana. Regarde, par exemple, je vais activer là le Warlord marque. Tu vois, ça me prend une réserve. Ça me prend 281. Si j'active la thread, ça me prend encore une réserve. Donc on a une réserve de 682 en fait qui est pris par ce buff là. J'ai déjà passé là. J'ai pas vu avec la cam, on dirait. Ouais, c'est parce que je suis affalé comme comme un gros sac. Je suis affalé de travers, je suis. Ah, voilà. Mais c'est pas... Osef, hein. Désolé de t'avoir parlé, t'es mort. Non, mais c'est pas grave. J'ai raté une mort? Ouais! Ça, le truc qui est chiant quand tu meurs, c'est que tu perds de l'XP. Mais en soi. En soi, tu perds pas énorme donc ça va. Sauf si tu meurs en boucle tout le temps. C'est par là, hein? Ouais. Mais là pour le moment ça va. Mais si je retombe sur une session comme hier, hein, je vais pas arrêter de mourir. Hein. Et, attendez, c'est par où? Il a rien à faire ici? Apparemment non. Non, normalement il y a une sorte. Une sortie. Ah là-bas. C'est sûr, c'est là-bas. Pardon. Hop. Voilà. C'est juste ouf quand même. Hein.
La puissance du truc, parce que t'as juste à stacker, et là je vois qu'on tourne qu'à 5 stacks à peu près, 3, ouais, entre 3 et 5 stacks, quand on va taper du mob et on les OS limite. Sachant qu'on peut monter jusqu'à 20 stacks. Oui, on a 2 stacks, c'est tranquille quoi. Monter à 6. Le jeu a l'air cool, le problème c'est que j'arrive pas à accrocher. Ah bah après oui, c'est comme tous les jeux. Si t'arrives pas à accrocher dessus. Là on stack. Vous voyez? Et là on voit le dégât qui monte. Voilà, on est à 20 stacks. On met la boule. On remonte à 20, voilà, et là on est bon. Allez. Attends, je vais... Voilà. Je disais bien qu'il y avait un truc qui manquait. Après tout dépend des jeux, le style de jeu que tu aimes toi aussi. Peut-être que c'est pas ton style de jeu perso. J'ai même pas regardé où on devait aller voir la quête. C'est là? Ouais, c'est là. J'aime le jeu Fantasy RPG, mais plus à la FF, d'accord. Ok. The Witcher, ok. Tiens, c'est des jeux auxquels moi j'ai pas joué. Va falloir tuer un truc, évidemment. Non, c'est un portail à prendre. Ouais. Choix du perso de départ a un impact sur le bus plus tard. Mais tout dépend. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'ai mis un lien avec les bulles de départ. Et ça te dit en fait quel perso sera le mieux. Enfin, des bulles de départ. Des bons builds pour débuter. Donc chaque perso, ouais, a des différences par rapport à l'arbre de talent et la Sandy aussi. Attends, je te montre ça. En fait, voilà. Suivant les persos que tu prends, suivant le perso que tu prends, tu vas démarrer à un endroit différent. Tu vois, moi je démarre ici avec le Templar. Et tu vois, tu as un point de démarrage ici, un ici, un ici. Chaque perso a son point de démarrage. Et donc ça te met plus ou moins proche de certaines stats. Ça te met plus ou moins proche de certaines stats et certains points, parce que tous les points sont différents, bien évidemment. Enfin, quasiment. T'as des... Pourquoi il y a autant de trucs là? Salut à toi, de mon rêveur. Attends, je vais juste finir cette map, je t'explique après. Enfin, de ce que moi je sais. Je vais essayer de t'expliquer au mieux.
C'est très intéressant et assez compliqué les builds. Ouais. Bon, moi je suis pour le moment ce que Niajdan m'a filé. Enfin, ce qu'il m'a filé. J'ai pris un build dans ce qu'il nous a proposé. Et du coup, je suis ça. Donc par rapport à mon arbre et tout. Mais après, après, je vous avoue que j'ai pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Et du coup, j'hésite pas à lui demander. Aïe, ça fait mal ici. Il est toujours pas FR. Non, non, non. Salut à toi. Ça, c'est une question qui revient assez souvent, si le jeu est pas FR. Mais après, si vous appréciez le jeu, je vois pas qu'est-ce qui vous empêche, même s'il est pas en FR, d'y jouer. Si vous avez un souci sur une traduction ou quoi, bah, vous faites un Google Trad en vitesse et voilà, basta. Je reste sur Diablo 3. Du coup, je disais. Ouais, donc t'as les points qui sont différents là, tu vois, par exemple, ça me porte du crit strike. Il est assez loin de moi, donc j'ai dû faire toute la branche. Là, tu vois, ça me porte du spell damage. Là, je suis parti chercher là-bas de la. Du physical damage avec du critical strike. Tu vois, tu vas chercher un peu partout, mais tout ça, c'est des levels en fait, c'est des points. Et après, tu as aussi la Sandy. Je crois que ça se dit exactement comme ça. Et ça, c'est en faisant des. T'as une map spéciale que tu fais et tu gagnes 2 points que tu peux mettre là-dedans. Et donc, pareil, c'est des stats que tu choisis. T'en as 3 par perso, je crois, différents. Mais tout ça, ça joue avec ton build aussi. C'est nul, Shinrozan. C'est nul. Heureusement, il y a Google Translate. Bah oui. Si un truc tu comprends pas, tu vas dessus. Attends, je vais me servir un crowbar. Si un truc tu comprends pas, tu vas dessus et basta. Hop, voilà. Faut se mettre à l'anglais, c'est la langue universelle des gens. Mais même, non, tu trades, ça va, t'arrives à t'en sortir. Salut à toi, Grunours. Comment ça va? Tu vas mettre. Attends. Tu vas mettre que des rediffs sur ta chaîne YouTube ou tu as des projets? Pour le moment, il n'y a que des rediffs. Il y a des projets qui devaient être faits, qu'on a retardé. D'autres qu'on n'a pas fait parce que c'était pas encore au point ce qu'on voulait faire. Mais il y aura sûrement d'autres choses qui vont arriver. Je vais essayer de voir aussi. Peut-être en partant en déplacement, prendre un peu de vidéos, des trucs comme ça. Si ça peut vous intéresser, une sorte de petit vlog en soi quand je suis en déplacement sur les circuits ou quoi. Mais il faut. Je vais essayer de travailler un peu ma chaîne YouTube, ouais. Et pas mettre que des rediffs. Il faudrait. Ça, c'est que ça demande beaucoup de temps. Et que. Vous savez, moi, je suis un peu un feignant. Donc, il faut que je m'y mette. Faut que je prenne le temps de faire ça. Mais ouais. Je suis comme les Bretons, je pars du principe que maîtriser la langue maternelle, c'est déjà bien. Et si tu maîtrises ta langue maternelle et l'anglais, c'est encore mieux.
fait un petit peu mal, mais quand même. Aïe! Voilà. On va mettre. On a un autre point qu'on a pas mis d'ailleurs. Ah, attendez, faut que je regarde par rapport à. Merci pour les follow d'ailleurs. Merci à vous. J'ai mon petit truc à côté. Pour savoir mon pass of building évidemment. On en est où? On est dans l'arbre là. Tac tac tac. On va chercher ici, de la vie. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment le café. Hein. Yajdu, il nous a fait un truc du feu là. En soi, si je meurs, c'est soit que je fais une connerie, que je regarde pas ou que j'ai pas fait attention à quelque chose. Parce qu'avec les dégâts que ça fait. Pas de raison. Vous voyez comme là par exemple, je reste dans le truc, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par où faut aller? Par là-bas? Nejdan a sacrifié sa barbe. Faut que tu aies un bulle décent. On va pas le faire avec tout le monde. Non, bah, tu rigoles ou quoi? C'est pas savoir qu'il a sacrifié. Hein. Pas pour moi en tout cas. Ah, mais ça on peut pas le buter, d'accord. Voilà, c'était un boss. Il y en a un dernier à faire. Ça doit être un plus gros. Hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on va stacker d'avance. Parce qu'on sent la merde qui vient de tomber. Voilà. C'est insane les dégâts. C'est insane les dégâts. Oh là là. Mais Niège 2, vous inquiétez pas, il va la retrouver sa barbe. Comme il a dit, il va faire un objectif Père Noël. Ça va être rigolo ça. Hop. On a changé d'acte ou quoi? Je crois que oui.
On est où? En acte 10. D'accord. On avait tout fini là? Non. On va retourner finir ça. C'est une quête optionnelle, mais généralement je les fais. Je préfère les faire. Comme ça on est tranquille. Ça, je crois que j'ai déjà checké ça. Et que j'arrivais pas à trouver le monsieur. Il est où le monsieur? Ah celui-là, celui-là il fait mal je crois. Je suis mort plusieurs fois sur celui-là il me semble. Bon ça devait pas être lui. On va chercher encore un petit peu. Si on le trouve pas, on ira commencer l'acte 10. Je reviendrai la faire plus tard. Tu peux partager ta playlist. Yep, par contre j'ai changé cette musique. C'est sur Spotify, elle s'appelle. Attends, je vais te donner ça. Changer celle-là aussi. Elle s'appelle. Non copyrighted de musique. Est-ce qu'on peut la partager? Tout. Publier, signaler, nani, partager. Est-ce qu'il y a un lien? URL. Hop! Ça, c'est l'URL Spotify. Donc, si vous êtes sur Spotify, vous faites avec ça. Et vous le trouverez direct. À changer celle-là aussi. On a un truc qui bouge un peu là. Non, ça non plus. Ça a l'air sympa. Ça dit quoi du coup? Tout. J'ai vu quelque chose. Tu conseilles quoi pour un tout nouveau joueur? En fait, c'est moi les conseils. Je peux pas trop t'aider. Moi, j'ai été beaucoup aidé en fait. Avance tranquillou dans ton dans l'histoire. Choisis ton build et essaye de le suivre. Je pense que c'est le meilleur truc à te conseiller. Choisis ton build avant de commencer et essaye de suivre ton truc. De pas te louper sur les points, sur les gemmes, tout ça. Après, tu sais, moi j'ai été beaucoup aidé justement donc. Niveau conseil, je suis pas le mieux. Mais hésite pas, t'as la. Tu tapes Pikaponer sur YouTube et t'as une playlist qui s'appelle Pikastus de Pikaponer et il explique tout, il explique le jeu, il explique l'arbre de talent, il explique les skills, les gemmes, les sockets, il explique tout et il va sortir encore des vidéos dessus. Je vais vous passer le lien, je vais aller chercher le lien. Je fais ce pack et je vais vous chercher le lien, je vous donne ça. Parce que ces vidéos sont vraiment top. Tout est expliqué dedans. Et ça vous aide beaucoup. Attends, je bute ces mobs là. Qui m'embêtent. Laissez-moi tranquille. Je bute ces mobs et je vais te chercher ça. Faudrait que je fasse un bot.
Allez, voilà. On va se mettre ici. Non, il y a encore un mob. Voilà. On est tranquille. Du coup, saurais-tu expliquer comment utiliser les builds? Parce que sans connaître, c'est complexe. Non. Mais attends, regarde, tu vas voir. Internet. Internet, hop, YouTube. YouTube. Hop. Là, tu tapes. Pika Porner. Yeah. Tu as sur sa chaîne. Tu as playlist. Les pics astuces. Très important. Hop. Et là, je vous donne. Attendez, il nous montre chat. Il est là. Voilà. Là, vous avez. Donc, il a fait des vidéos dessus. Pour le moment, il en a. Voilà. Il explique. Qu'est-ce que. Le jeu. Qu'est-ce que le jeu? Il explique les skills gemmes, les armes armures, l'arbre de talent, les orbes. Va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver dans les prochains jours, de ce que j'ai compris. Donc, n'hésitez pas. Vous lui faites un petit follow sur YouTube en plus. Sur Twitch, il live tous les matins. Quasiment. Vous le retrouvez aussi le soir sur la Nvidia. Et n'hésitez pas. Vous abonnez chez lui. Et il sort plein, plein, plein de vidéos. Enfin, plein, plein, plein. Là, il doit encore en tourner avec Niajdan, je crois. Par rapport au trade et tout. Donc, ça va être sympa. Et c'est assez bien expliqué pour ceux qui débutent le jeu ou qui veulent connaître pas mal de trucs. Tu as tous les builds sur le forum de PoE. Ouais, t'as peut-être tous les builds. Après, si vous voulez des builds starter, j'ai une liste que Niajdan a préparée. Des builds starter qui sont sympas. Ah oui, faut pas mettre de lien. Bon, t'inquiète, les gens ont trouvé, hein. Pour les builds sur PoE. Sur le forum, tu trouves des builds facilement. J'ai vu des vidéos, des liens et tout, je ne vois pas comment les suivre. Mais en fait, faut suivre par rapport à ton arbre de talent, faut prendre à peu près. Bah faut prendre ce qu'ils disent, pas à peu près ce qu'ils disent, faut prendre ce qu'ils disent. C'est quoi ici? Non, c'est pas ça. Et les suivre, c'est après, c'est les items. Soit tu vas looter les items, soit tu vas les... Tu vas devoir les acheter, mais... essayer d'avoir les bons skills avec les bonnes gemmes, c'est surtout ça en fait. J'adore la restriction de ton chat. J'arrête de répondre, désolé. Non, mais c'est le lien, c'est. C'est normal. Il y a des embranchements, c'est difficile de savoir lequel prendre en premier. Mais après, c'est suivant ce qu'il te faut. Hein. Si tu vois que t'as une chaussette. Et que c'est de la vie que t'as d'un côté, bah tu vas sur la vie. Si tu veux que tu fais pas de dégâts, tu vas sur du dégât. Enfin, moi c'est ce que j'ai vu, là je vois au niveau de la vie, j'ai pas de soucis pour le moment. Donc j'avais pris du dégât, là je commence à être limite en vie des fois. Donc là j'ai commencé à prendre un petit peu de vie aussi. Non mais si une communauté ne partage pas, ce n'est pas normal. Mais t'énerve pas, t'as pas besoin de t'énerver. C'est les règles du chat, c'est comme ça. Si t'es pas content, bah je suis désolé, mais... Yep, je checkerai pas tôt. C'est toi, Sanjien. Comment ça va? Oh, j'arrive pas à trouver. On a fait quoi? On a fait quoi? Je vais aller avec le 10.
parle. On va commencer avec le 10. Hop, impec. Ce qu'on va faire, du coup, on va se faire juste une petite pause, moins de 5 minutes. Je vous mets la pause, ça dure 2-3 minutes. Juste, attendez. Se désaltérer et fumer une clope. Et on se retrouve juste après. Hop, c'est où? C'est là. Je vous dis à tout de suite, des bisous. Hop, on se remet sur le jeu. Oh, c'est un peu violent ça. On va changer. Aïe. Du coup, je suis en QWERTY, je suis en AVERTY. Hop, on repasse en QWERTY. Et on se démarre l'acte 10. Hop, on se démarre sur le cœur, au cas où. C'est quoi du coup? Pour tous les nouveaux, c'est assez simple. Pour trouver un build bien expliqué, vous allez juste sur le site officiel POE, aller dans les forums et suivant les classes qu'il y a, toujours les builds beginner friendly qui sont bien expliqués. Exactement. Voilà. Et Capic vous a tout résumé en une phrase.
On était où? Ah oui. On va commencer, hein, tranquillou. Hop. Mais vous trouvez des bulles assez facilement. Je peux vous remettre si vous voulez le lien de Yejdan. Attendez, je dois l'avoir là. Je l'ai sous la main normalement. Hop. Yejdan nous a fait un G-Doc. Pour les gens. Voilà. Vous avez G-Doc, il y a pas mal de builds dessus. Vous pouvez cliquer, c'est des vidéos ou du build directement. Salut, tu connais Titan Quest? Non. Le nom me dit quelque chose, mais je ne connais pas personnellement. C'est l'ancêtre de Path of Exile, d'accord. Je ne savais pas, tu vois. Est-ce qu'on pexe bien ici? Ça va, c'est pas dégueu. Bon, des fois, j'arrive pas à mettre mon... mon orbe. Parce que je dois vouloir être trop rapide, mais... C'est le feu. C'est une map? C'est combien ça le level ici? Level 64, on est level 67, ouais, c'est pour ça. Et du coup, j'ai fait aussi ce matin, hier, j'ai fait mon lab, le deuxième lab. Je l'ai passé easy. Hein. En gros, j'ai fait le con. En gros, j'étais stuff. Je suis pas concentré sur le jeu. J'étais Niège, je m'avais restuff donc je pouvais le passer. Jamais compris le principe d'aller mater des builds tout fait juste pour refaire le même derrière. Je trouve qu'on perd tout l'intérêt du jeu. Je suis plus adepte du die and try. Oui, après ça dépend des gens. Pour débuter, il y en a qui préfèrent suivre un build déjà fait et puis le modifier après ou l'améliorer ou quoi. Après, quand tu connais le jeu. Oui, c'est sûr, tu peux te faire ton bull, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Puis rien que là, pour te faire un build qui est déjà fait, ça prend quand même du temps. On va stacker. Ici, on commence quand même à prendre tarif hein, sur certains mobs. Moi, je suis parti à l'aveugle il y a 5 ans. J'ai monté mon premier perso, le L110, avec. 980 DPS. Allez. J'étais fin nul, mais j'ai appris beaucoup. Oui. Après, comme on dit, c'est en forgeant que tu deviens forgeon. Donc, c'est en testant des trucs que tu vas apprendre de tes erreurs et pour avancer.
Ceux-là ils font mal. On va stacker. On va se mettre une orbe. Non, voilà. Ah mais je sais pourquoi aussi. Je suis con moi là. J'ai pas mes... Ah oui voilà, les auras, tes auras. J'avais compris tu les auras mais non, c'est tes auras. Merci. Merci beaucoup. Ce sera mieux avec. Sur un build, c'est aussi apprendre les subtilités du jeu et découvrir de nouvelles façons de jouer. Exactement. Hop. Qu'est-ce qu'on n'a pas exploré? Moi j'avoue maintenant, je suis des builds, ça économise mon cerveau, même si j'ajuste des fois. Oui, bah, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, qui suit des builds et qui ajuste après, suivant ce qu'ils veulent. Faudrait que je bind le dash sur une touche plutôt que sur le clic. Ça ferait peut-être moins de bruit. Ce serait mieux pour vous. Où c'est qu'on n'a pas exploré que ça pourrait être? Par là? Non. C'est peut-être là-bas en fait. Cathédrale Apex. Ah, c'était peut-être là en fait, tout simplement. Voilà, c'est juste là. Une flasque. Est-ce qu'il y en a une pour la... La vie, 2004 de vie. On va prendre ça. Ça, on l'a acheté. On parle à tout le monde pour voir les quêtes. Hop.
Et là, normalement, on a... Ouais, voilà, on a les quêtes. C'est pas ça. Donc là, maintenant, on sait qu'il faut aller là-bas. Hop. C'est là-bas. Après, si vous avez besoin, je pense que... N'hésitez pas, venez sur le... Sur le Twitch app, vous avez le lien juste en dessous du lecteur, le lien curse. Venez sur le Twitch app et il y a des canaux PoE, il y a pas mal de monde qui joue de la communauté. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous ou même si vous voulez faire des trucs ensemble. Vous pourrez trouver du monde, je pense. On tarif ici un peu. C'est parce qu'il y en a pas mal qui ont du shield ici. J'arrive pas à placer mon arme. On a pas mal en musique, hein. Aïe, aïe. Que vous êtes très calme dans le chat. En ce moment-là, depuis que c'est les vacances, vous êtes super calme. Vous parlez pas beaucoup, vous êtes posé. Ils font mal. On va stacker. Parce que tu l'as, il va y avoir l'heure de la sieste. Ouais, je sais. On fait ce qu'on peut, hein, écoutez. Hein. On a pas mal. Oula. On a pas mal stacké. Ouais, ça c'était sûr. On s'est fait 10 foncils. Là, quand on peut, hein. Écoute. Les auras, les auras, les auras, les auras. On n'a pas mis les auras. Aïe!
L'autre son aide, comment tu vas? Bon. Aïe. Sur notre côté. Les Zora Link. Je ne m'en plains pas, je ne suis pas très sieste. Ah. Moi généralement je suis sieste. Mais bon. Très bien, et vous jeune homme? Et ça va, écoute. On fait aller. Aïe, aïe. Stack, stack. On a l'orbe. Et sur l'autre côté. On va placer une orbe ici. Voilà. Oublie pas tes popos de vie. Sinon, t'as une potion basale dans les coffres, utilise-la. Yep, mais j'ai une potion pour les dégâts là aussi, je pourrais m'en servir. Mais j'oublie. Mais c'est vraiment l'orbe. L'orbe ça fait un taf de ouf. Ça augmente mes dégâts de dingue. Mais c'est juste que des fois j'arrive pas à la caste. Ou que je vais faire le con dehors, tout simplement. Il faut que je vois si j'ai encore des points à prendre pour la durée des stacks. Comme ça m'aidera à garder plus longtemps mon Blade Vortex. On stack un peu et on retourne dans le tas. On met l'orbe, voilà. À partir du moment où j'arrive à mettre l'orbe et avoir un peu de stack, normalement on n'est pas trop emmerdé. Vous voyez là j'ai l'orbe, quand j'arrive à caster mon orbe, j'ai pas trop de soucis. On va stacker. Aïe, aïe. Niveau dégâts, je pense qu'on est pas mal, hein. C'est juste que bah, quand je meurs, c'est moi qui fais du caca en fait. Je fais tout simplement du caca. Et le caca, bah, c'est pas bien. Hop, on prend le TP. On est où? Est-ce qu'on a une mission ici? Ouais. On a bientôt notre level, ça va faire du bien aussi. Voilà.
Faut vraiment tout le temps être stacké quoi. Si on veut être bien, au moins à 5, 4-5. Aïe, en dessous le dégât, je suis pas sûr qu'il soit intéressant. Ça on va le faire. On va stack. On stack d'avance. On met une orbe. Voilà. Oui, à partir du moment où on a du gros stack. Merci pour les follow les gens, ça fait plaisir. Je vous rappelle à 16h on va retrouver Oro qui fera du. Je crois qu'il fait du Fortnite encore aujourd'hui. De 16h à 19h, vous retrouvez ensuite Pika Pwner sur la Nvidia GeForce Experience également, qui vous fera du PoE je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et ce soir, bah restez informés sur Twitter. Je suis pas sûr pour ce soir, donc je ne préfère rien dire. J'essaie de vous RT tous les potes quand il live. N'hésitez pas à follow sur Twitter, bien évidemment. J'essaie d'informer dès qu'il y a un live d'un copain. Comme ça. Ah, il était là-bas. Comme ça, vous êtes au courant et vous ne le loupez pas. Nice. Hop. Du coup, on a ça. Il faut qu'on fasse quoi? On va revenir au début. On va essayer d'y aller vite. Faut juste qu'on trouve l'autre sortie, je crois. C'est ça. Yep. C'est parti. Attendez. Tac 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 tac. On va aller vers là-bas. Au nord. Ah oui, c'est là où on est mort tout à l'heure. Attendez. On va stack. Voilà, on utilise la popo. On y va. Allez, on y va. On met l'ordre. Voilà. C'est un peu complexe. On a un peu cliqué comme un porc.
Mais on a réussi. Et tout ça pour un cul-de-sac? Non. Ah, il y a une TP ici. Ça, c'est impeccable, pardon. Ok, et là, on a... On est où? Est-ce qu'on a un truc ici? Yep. Ok. Oh non, faut sortir direct. Ok. On a notre point à mettre, on n'a pas mis notre point. On va le mettre après. Par là, c'est quoi? C'est ça? Hop. Ok, on va rentrer, on va rendre ça. Et on va continuer. Comme ça, on pourra mettre notre point. C'était là. Nice, alors, on prend le build, on l'a là, tac tac tac. On va aller chercher les derniers qui nous manquent ici. On a ça. Et ça. Et là, normalement, on a fini toute cette partie. Là, il va falloir qu'on aille chercher ceci. Ouais, ça va être top ça. On va aller chercher ça maintenant. Hop. Ça devrait aider un peu au niveau de la vie, on a pris 0,4% de la glitch, je crois. Donc c'est pas dingue, mais ça va peut-être nous aider un petit peu. Non, j'ai appuyé sur les popos pourtant. On est passé le level, c'est pas trop grave. On remet les auras de suite. Voilà. Yep, je suis level 53, j'ai pas suivi de build, je suis spé foudre, mon perso serait useless. Enfin, je ne sais pas, je peux pas te dire. Je suis un newbie sur le jeu, moi. Donc c'est pas moi qui pourrais te répondre. N'hésite pas le matin, si t'es dispo, aller sur le live de Niagedan et Pika. Même ce soir, il y a Pika qui live. De 19h à 21h sur Nvidia GeForce FR. Que je hosterai tout à l'heure. N'hésite pas à aller poser des questions chez eux. Ils sauront mieux te répondre que moi.
Ils seront te répondre tout court. Ok, merci, je t'en prie, y a pas de souci. Je veux pas te dire de conneries ou quoi, donc je préfère ne pas te répondre. C'est là qu'on doit aller? Ouais. Tu uses quoi comme spell? Je suis en Blade Vortex. Blade Vortex, l'orbe que je mets c'est Orb of Storm. Ouais, je les ai là. Donc j'ai mon Blade Vortex ici, dessus j'ai le spell Echo, Elemental Focus, Physical to Lightning et Increase Critical Strike. Ça c'est mon spell principal en soi, c'est celui que j'utilise, vous voyez c'est les dagues. C'est les dagues qui tournent autour de moi, que je peux stack jusqu'à 20. Je peux avoir 20 dagues qui tournent autour de moi. Ah mais tu demandes au monsieur, Lika. Mais j'explique quand même. T'inquiète pas, bulle irrattrapable, je prends un peu de vie, pour ta mise en map. Ouais. Après j'ai quoi? Ouais, les orbes elles sont là. J'ai les orbes avec Arcane Surge, Increase Critical Strike et Power Charge en Critical. Ça me permet de générer des charges. Et ça augmente bien bien mon DPS. Bah vous voyez, si je fais ça, je vais essayer de monter à 20. Je suis à 20. 20, je suis à ouais, 14. Non, il monte même plus à 20. Bah je manque de mana. Faut que je prenne de la régène de mana. On va aller chercher ça. Mais en gros, ça m'augmente de 2 ou 3 000 mes dégâts. Facile. Sans être stacké, donc. Oui, dès que je fais proc l'orbe, c'est pas la même quoi. On est revenu au début. Depuis que je les appelle le nom, la boule de foudre, pas celle qui est statique. Ah, celle que Pika il utilise? Je crois que c'est ça qu'il utilise Pika. Il utilise une boule de foudre. Mais lui, il fait ça avec des pièges. Je sais pas trop c'est quoi son bulle. Ça fait dégueulasse à l'écran, mais. Mais lui, ça le fait rigoler. En fait, le but de Pika, surtout les bulles qu'il a toujours fait, c'est de rendre un truc dégueulasse à l'écran. C'est moche! C'est d'en foutre partout. Et quand ça marche et que l'écran est bien dégueulasse, bah lui il est content. Et tous les builds de Pika, ça marchait comme ça. Plus c'était dégueulasse, plus il gardait un build. Et c'est comme ça sur tous les jeux. Et à l'époque, quand j'avais mon PC de merde, je détestais Pika en fait. Parce qu'à cause de lui, je tournais à 2 FPS.
Par là. N'hésitez pas les gens, retrouvez-vous sur le Curse pour vous entraider, c'est top. Hein. Vous avez le vocal, vous pouvez écrire aussi. Sans textuel, sans vocal, n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, j'imagine que on te l'a déjà dit, mais ton perso me fait penser au paladin marteau de Diablo. Ah non, on me l'a pas dit. Diablo, après, vous savez, moi j'ai pas trop joué. Quand j'ai joué moine. Mais sinon, j'ai pas trop joué, donc je connais pas trop les builds. Ce type de jeu, c'est vraiment pas un type de jeu que je faisais avant en solo quand je connaissais pas l'équipe. Donc j'ai découvert que ça soit Diablo ou la PoE, je découvre ça avec l'équipe et ça c'est sympa en fait. Du coup j'y joue et j'y passe des heures et 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 des heures. Pas le 2, le 3, parce qu'il a disparu dans le 3. Non, le 2, pas le 3, parce qu'il a disparu dans le 3. D'accord. Et Diablo 2, j'avais même pas joué. Non, il y avait un truc à trouver ici. Mince. Je suis où là? Oh non, c'est là. Noice. Faire noter un bon petit son ça. Il y avait un build où le paladin était statique et lançait le marteau autour de lui, c'était fumé. D'accord. Du coup, ouais, ça y ressemble un peu. Bon, après j'évite d'être trop statique. En soi, le seul moment où je suis statique, c'est quand je prends des stacks. Quand je prends des stacks ou quand je place mon orbe. C'est le seul moment où je suis statique, sinon j'essaie de bouger partout. Bah d'une pour reset mon... En fait sur le dash, à partir du moment où je dash dans un mob, je chope Fortify. Qui est vraiment bien, qui réduit énormément les dégâts. Et du coup j'essaye de tout le temps dash dans un mob, comme ça je perds jamais. Même si j'ai 5 secondes tranquille avec Fortify. Je pourrais rester sans bouger. Ça marche aussi. Même mieux parce que du coup je fais que stacker. Soit faudrait que je dash comme ça, je mets ma boule et je stack. Après je bouge un petit peu pour ceux que je peux pas toucher. Voilà. Dash, mes boules et là tu stack. Il y a des fois où j'arrive pas à la caste d'orbe. Qu'il y a un build Templar Vol Lightning plus fort. Ah oui, pour l'intro. NP, NP. Ouais, là je pourrais rester comme ça, sans bouger. Bon, sauf ceux qui sont à distance. Mais... Là, je reste comme ça, ils arrivent, voilà. Là, je stack, je suis tout le temps à 20. Et il y a des pêches à 18 000 là.
Enfin, les dégâts. Il y a un peu de tout sur la playlist, hein, je vous préviens. Aïe. Aïe, 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 aïe. On stack, on met la boule. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, on est stacké à 20. Ça fait le taf tout seul. Je piche pas. Oh. Attends, normalement c'est bon, je crains rien. Je piche pas. Quand je viens de trouver une bulle, les spawns ici. L'XP monte pas trop mal encore, ça va. On va dash au milieu. Ça, je sais pas si c'est bien, là. Les trucs qui font plein les items. Dites-moi si je dois ramasser ces trucs-là, j'en sais rien. Je vais ramasser au cas où, et si vous me dites non, il n'y a pas besoin, je jetterai. Oui. D'accord. Je ramasse. Oui, il faut les ramasser, ok. Je les mettrai de côté dans un coffre. Je donnerai à Niejdan. Où c'est que j'ai pas été? Il y en a un autre que j'ai laissé un peu plus loin, Osef. Hein. Les items 6 sockets égale 7 gevoil avant d'un PNJ. D'accord. C'est mal ça. Oh. Il pique là. Tout ce qui est en surbrillant, blanc, faut le ramasser, ça fait des currency. Ok. Après, tu peux peut-être... Non, ça c'est autre chose, ok. Ok. J'en ramasse tout. Faut rentrer à la maison. On y va. C'est violent ça. T'as le tout, Lani il est là. Prendre un truc, on va le vendre. Sell, hop. Mm.
On va ranger le bordel un peu. Le coffre ici, son nom. C'est le guild. Et puis ils sont là. Quelle idée. Non, ça va. On va continuer vite fait. Et après, je vais vous laisser avec. Oh. 2800. En 2080, on veut pas. Mana flask. On n'a pas besoin. C'est que j'ai une cité. Ah oui, pardon. Tac, tac, tac. Du coup, on essaie de faire assez vite. Les bagues, on les a mis où? Je sais plus où on les a mis. On va mettre ça là ici. Ici, c'est où on a le merdier. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Oh, j'ai mis une bague. Chut, hop. Voilà. Bientôt fini l'histoire, Oliver. Reste plus que le boss final quasiment. D'accord. Nice, nice, nice. J'en suis où là? Ça doit être ça. Hein. Il faudra que je fasse le labyrinthe aussi. Mais là, ça me dit pas où faut que j'aille. Qui est ça, on a grand accès à ce canal. Ça doit être. Je dois aller là, je pense. Donc faut que j'aille à ici. Ouais, c'est ça. Mais je vais crever là comme un caca. Quelle idée. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Pensez. ton lab cruel va être assez simple, level 50. J'ai fait le deuxième. J'ai fait le premier et le deuxième. À 68 de troisième. On va farm, de toute façon on va continuer de pex. Hein. Mais je sais que j'ai fait le premier qui est level 33 je crois. Et le deuxième 50 et quelques. Ça je les ai fait. Après le dernier, le level lab, level 75, d'accord. Ouais, donc il m'en reste un à faire au level. Il y en avoir un level 60 et quelques, non? 65, il disait, 68. Bah, je vais couper, attendez. On va se laisser là, je pense. On va juste finir ce pack. Allez, hop. Voilà, on va se mettre dans un coin. Moi je vais avancer de mon côté. Je vais continuer de farmer. Attendez. Hop, hop, hop. Voilà, impeccable. Moi je vais continuer de farmer de mon côté. Pour continuer d'avancer. Puis on verra. On fera sûrement ça la semaine prochaine. On continuera. On fera des maps et tout. On fera plein de trucs sympas. Merci d'avoir été présent en tout cas avec moi aujourd'hui. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez, oubliez pas, voilà, vous avez le concours qui s'affiche, vous avez encore ce soir pour gagner des packs fondateurs Fortnite si vous le souhaitez. Pour tenter votre chance, n'hésitez pas, le concours se finit ce soir à 23h59. Je tirerai au sort demain dans la journée, j'annoncerai sur Twitter les gagnants. Ils recevront dans tous les cas normalement un mail de la part du site qui fait ça.
N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, c'est pas grave. N'hésitez pas à lâcher un petit follow sur Twitter et YouTube également. Sur celui de Pika et Niashdan, pareil, ils bossent de ouf pour nous et même pour les viewers, à essayer de vous présenter des vidéos, des trucs comme ça pour vous expliquer. Même sur les lives, ils sont toujours là à vous expliquer. Allez lâcher un petit follow chez eux. Moi, je vous renvoie avec Oro sur la Nvidia GeForce FR qui vous fait normalement du Fortnite, je crois bien. De 16h à 19h, vous avez. Par la suite, Pika Pwner de 19h à 21h sur la Nvidia GeForce FR qui vous fera du PoE. Et ce soir, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a au planning. Restez informés sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais des bisous, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Allez, des bisous, ciao ciao.